Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir une lecture linéaire qui est le dénouement de Ruy Blas, 1830, l'acte 5, scène 3. Alors, nota bene, pour des raisons de taille de l'extrait, nous ne prendrons pour l'analyse que la première tirade de Ruy Blas, le reste du texte ne tombera pas à l'oral. Alors, une petite introduction vite fait pour présenter l'auteur. Donc, Victor Hugo, 1882-1885, écrivain, dramaturge, poète, homme politique et intellectuel engagé. Une des figures les plus importantes de la littérature française. Il appartient au romantisme. C'est l'auteur de Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Demain dès l'aube, etc. Donc, il a posé les bases du drame romantique. Alors, le drame romantique. Pas forcément la peine de trop rentrer dans les détails, mais bon, c'est pas mal si vous pouvez en parler un petit peu, vous montrer un peu votre culture. Ça a été théorisé dans la préface de Cromwell en 1827. Il y a eu une polémique avec la bataille d'Hernani. Grosso modo, les caractéristiques du drame romantique, c'est le refus des trois unités, refus de la bienséance, refus de la séparation des genres. On a plein de mélanges de différents styles dans le drame romantique. Le tragique, le pathétique, le comique, le burlesque. C'est grotesque et sublime, comme dirait Hugo. On a un héros qui est romantique et désabusé. On a un cadre historique et des rebondissements multiples. Les exemples sur Ruy Blas ou éventuellement Lorenzaccio d'Alfred de Musset. Peut-être, c'est peut-être pas la peine de venir autant dans les détails, hein, quand vous présenter l'intro, mais c'est déjà pas mal. Ça peut être intéressant d'avoir quelques œuvres. Alors, l'œuvre et le contexte de l'extrait. Donc, il y a Don Salluste qui s'apprête à exécuter la vengeance qu'il avait mise sur pied dans l'acte 1, se venger de la reine en la compromettant. Il fait passer son valet Ruy Blas pour un grand d'Espagne, un aristocrate de la cour, et lui ordonne d'entamer une relation amoureuse avec la reine. Don Salluste est sur le point de réussir, mais Ruy Blas dévoile soudain son identité et cherche à se venger de son maître. Le sang va couler. Là, vous lisez le texte. Vous n'êtes pas obligé de dire le sang va couler, hein, mais bon, là, vous lisez le texte, hein, avec, avec de l'expressivité. Faites bien attention à respecter les alexandrins. Et voilà, la problématique que vous pouvez donner, c'est comment Hugo crée-t-il une très forte tension dramatique dans cette scène de confrontation? L'annonce du plan, la longue tirade accusatrice de Ruy Blas. Donc, on va prendre juste la première longue tirade accusatrice de Ruy Blas. Hein. L'entrée dans le texte se fait dans les trois premiers vers, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, c'est quand Ruy Blas s'adresse au marquis, vers 1 à 8, puis à la reine, vers 9 à 4, troisième mouvement. Et le quatrième mouvement, c'est quand il s'adresse à nouveau au marquis, de la ligne 15 à 28. On commence par la toute première partie qui est très courte, hein, c'est le vers 1 à 3, qui montre qu'il y a un jeu de scène qui est très physique. Les rôles sont inversés. Hein. Bon, c'est pas dans le texte, mais c'est quelque chose à savoir. C'est que Ruy Blas est habillé en noble, alors que Salluste est habillé en valet, parce qu'il est déguisé pour pas se faire remarquer quand il rentre à la cour. Et de plus, c'est Ruy Blas qui tient l'épée de Don Salluste, comme l'indique la première didascalie. Alors, Ruy Blas est terrible. Il a quitté sa soumission. La première didascalie, c'est terrible. Le jeu sur scène est très physique, donc Don Salluste se précipite vers la porte, Ruy Blas la lui barre. La bienséance n'est pas respectée, puisqu'ici nous sommes au bord du combat. C'est Ruy Blas qui décide du sort de Salluste, en organisant un huis clos. Il n'y a que les trois personnages en présence, il n'y a aucune échappatoire. Là, je disparais parce que finalement, ma tête, ça bouche le texte, donc c'est pas terrible. Donc, dans le deuxième mouvement, nous avons le vers 1 à 8, c'est la mise en accusation de Salluste. Cette première longue tirade est très hachée. Il y a des phrases courtes, beaucoup de points d'exclamation, des tirets qui jouent le rôle d'aposiopèse. Il y a beaucoup d'ordre, avec des passages à l'impératif. La rage de Ruy Blas éclate. Il s'adresse successivement au marquis, puis à la reine, puis encore au marquis. On a un crescendo sur la tirade qui est de plus en plus violente. On a un impératif qui est adressé à Salluste. N'allez point par là. Suivi de l'affirmation de l'inéluctabilité de la mort prochaine du marquis. J'ai fermé le verrou depuis longtemps déjà, qui est renforcé par personne n'entrera, ni tes gens, ni l'enfer. Au vers 7. Donc effectivement, le piège se referme. Effectivement, on est vraiment dans un contexte tragique. On a le champ lexical du diable pour qualifier Salluste. Satan, vers 4. Serpent, vers 6. Enfer, vers 7.
Ruyblas se donne l'aspect d'un justicier qui n'hésite pas à provoquer le diable. Qu'il se montre, vers 5. Un justicier qui détruit le mal, qui est personnifié par le serpent, c'est bien connu. On peut penser qu'il y a un renvoi à l'image de Saint-Michel qui terrasse le dragon. Je te tiens écumant sous mon talon de fer. Vers 9. Ensuite, Ruyblas s'adresse à la reine. Ruyblas prend la reine à témoin. Cet homme vous parlait insolemment, madame? Cette scène est finalement comme un tribunal. Ruyblas est à l'accusation, il est didactique, il explique. Je vais vous expliquer. Salluste, c'est l'accusé, et la reine est prise à témoin. Donc Ruyblas reprend le champ lexical de l'injure. Il utilise l'adverbe insolemment, qui renvoie à insulter, qu'on a vu au vers 1. Salluste est toujours présenté extrêmement péjorativement. Point d'âme, vers 10. Monstre, vers 11. M'étouffait, vers 11 aussi. Ce qui renvoie une fois de plus au serpent, puisque le serpent étouffe. Salluste est également présenté comme cruel. En riant, il m'étouffait. Il m'a broyé le cœur à plaisir. Et Ruyblas en est la victime. Étouffé, broyé, martyr. On note la gradation pathétique. Je priais, je pleurais, je ne puis vous dire. Donc, je priais, c'est l'adresse à Dieu. Je pleurais, c'est l'apitoiement sur lui-même. Je ne puis vous dire, c'est la perte des mots. Ça montre la détresse de Ruyblas qui a la parole coupée finalement dans sa douleur. Et Ruyblas s'adresse une nouvelle fois à Salluste. Il revient à Salluste avec la didascalie au marquis. Ruyblas déborde encore plus de colère. On a des apostrophes directes. On a beaucoup de deuxième personne du pluriel. Vous, vos, anaphore de vous osez. On a le champ lexical de l'outrage qui revient, outragé. On a des qualificatifs péjoratifs. Misérable, traître, fourbe, tortueux, qui reprend implicitement l'image du serpent, puisque le serpent est tortueux. Ruyblas est tellement en rage qu'il en perd sa syntaxe. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris. Ah, misérable, vous osez, votre reine. Ruyblas déborde de fureur, de colère. Il en perd ses mots. La grammaire déstructurée reflète la violence de la scène. Là aussi, après, on écrase un serpent qu'on rencontre. Ruyblas fait une généralité. Il utilise une maxime qui est une phrase de vérité générale. Lorsqu'un traître, tout homme a droit, c'est comme une sorte de leçon philosophique finalement, de phrase de vérité générale. Finalement, ça devient universel, le fait de châtier Salluste, c'est pas quelque chose de purement individuel. On note la violence du terme cracher la sentence. Ruyblas, c'est un justicier, et comme l'indique aussi le terme de sentence. C'est lui qui vient rendre la sentence, le jugement. On note aussi la gradation, une épée, une hache, un couteau. On a une gradation descendante dans la noblesse et l'efficacité des hommes. Bah oui, l'épée, c'est pour les nobles, la hache, c'est pour le bûcheron, le couteau, bah, c'est pour les fourbes, les traîtres ou les assassins. On a un passage d'armes de nobles à des armes du peuple. Donc Ruyblas vient insister sur le fait que l'indignation et le désir de vengeance sont universels. Et il termine sa tirade par l'antithèse laquais. Et bourreau pour mieux montrer le basculement, pour mieux marquer son changement de rôle. Donc en conclusion, on voit que dans cette scène, bah, les rôles sont vraiment inversés. Ruyblas, il domine complètement son maître, il lui fait son procès, il veut se venger de tous les mauvais traitements reçus par lui. Il monopolise la parole et utilise des termes très violents. Bah, finalement, Ruyblas symbolise la prise de pouvoir du valet sur le maître, c'est un valet finalement plus noble que la classe corrompue des nobles. Alors, comme ouverture au XXe siècle, bah, la question des relations maître et valet continuera de se poser de manière plus compliquée. On a un jeu de rôle malsain entre servantes dans Les Bonnes de Genet, 1947, et on a aussi une fausse relation d'égalité entre Madame le Marchand et Hilda, sa servante, qui cache un lavage de cerveau dans la pièce Hilda de Mary N. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur cette lecture linéaire de Ruy Blas. À très bientôt.